Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors, nous sommes le 15 novembre 2023. Alors, j'ai vu que ma précédente vidéo a intéressé pas mal de monde, ce qui est normal. On se pose tous la question de qui va prendre les manettes de notre pays par rapport à tout ce qu'on vit, ce qu'on a vécu depuis plusieurs années. Donc, justement, alors avant de passer à autre chose, je vous avais dit que j'allais chercher quel autre oracle je pouvais interroger. Alors, tant qu'on est dans cette optique-là d'essayer de savoir qui seront nos futurs dirigeants gouvernants, alors mettez le mot que vous voulez, hein, disons les gens qui encadreront, qui seront aux affaires, voilà, je ne sais pas comment le dire. Alors, j'ai pensé à prendre le tarot Oramour. Voilà, donc je vous disais, tant qu'on est là-dedans, pour faire suite à ma dernière vidéo, avant de passer à autre chose, eh bien, on va voir si on peut en savoir plus. Alors, ce tarot, il peut être parlant. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de l'interroger. Donc, voilà, on va voir tous ensemble. Donc, je vous propose de rebondir, en fait, sur ce qui est sorti la dernière fois pour essayer d'en savoir plus. Est-ce que les futurs dirigeants, après notre chef dans tous ses états actuels, est-ce que les futurs seront plusieurs ou est-ce que ce sera un schéma classique de plusieurs personnes? Là, on nous dit, ou un schéma classique plutôt d'un seul dirigeant avec un gouvernement. Alors, on nous parle de changement. Hein. Là, il y a bien un coup de pied dans la fourmilière qui va être donné. On nous parle d'une situation dont on a du mal à se dépêtrer. Ça nous parle d'un couple et quelque chose d'inextricable, donc inévitable concernant un couple. Donc là, ça pourrait vouloir dire vraiment que des personnes vont vouloir... Eh bien, éloigner le couple peut-être, hein, présidentiel, enfin le couple, là ça nous parle de couple, donc les dirigeants actuels, chef dans tous ces états actuels, puisqu'il est en couple. Donc on nous dit coup de pied dans la fourmilière par rapport à une situation dont on a du mal à s'extraire concernant un couple, mais il y aura quelque chose d'inextricable, alors on va voir. Donc, justement, moi je veux savoir la suite. Alors après ce chef dans tous ces états, aura-t-on un gouvernement classique avec un chef d'État, un et un gouvernement, ou est-ce qu'on passera tout de suite à cette alliance qu'on a vue là, voir une tête couronnée, voilà. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur nos futurs gouvernants? Allez, c'est parti. Alors là, on a une femme non officielle du passé. Pourquoi non officielle? Peut-être qui se cache ou qui... Bon, on va voir. Et les souvenirs, ça nous parle de souvenirs, le passé. Bon, là, on pourrait... la coupe pourrait nous parler de la dernière finaliste de l'élection présidentielle. Alors encore une fois, moi je donne pas mon avis, je suis neutre. Alors puis en plus faites attention dans les commentaires, hein, pas d'insultes, pas d'injures. Vous savez très bien que il faut rester, voilà, c'est comme ça. Et puis il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc je le redis, restez soft s'il vous plaît, modéré dans vos commentaires. Voilà, et encore une fois, moi je lis les cartes. Donc là, on nous parlait dans la coupe éventuellement, je pense, de Marine Le Pen, puisqu'elle a quand même été finaliste, voilà, aux dernières élections. Là, on a encore quelqu'un qui pouvait être second ou non officiel ou un second. Là, c'est un homme. Ensuite, quand je dis un second, voilà, il a pu être premier ministre, je ne sais pas. Là, on nous parle de tristesse. Les pensées noires, hein, on rumine, hein, on se pose des questions, on rumine, ça nous travaille tout ça. Hein. Ah, on a, en réponse, on nous parle de mystère. On nous parle de quelque chose qui est un secret, qui n'est pas encore dévoilé, qui attend d'être dévoilé. Alors, ça peut parler de révélation. C'est une carte qui peut parler de tout ce qui est mystique, paranormal aussi. Mais on va rester là, les pieds sur terre. Et c'est un secret qui n'est pas encore dévoilé. Donc, il y a encore des choses que l'on ignore, voire qui vont être révélées. Alors, on va creuser. Là, on nous parle d'un proche. Vous voyez, on a bien quelqu'un qui tend les bras à une autre personne. On a bien quelqu'un qui sera proche du peuple. Et là, je vous ai dit dans le jeu précédent, pour ceux qui avaient regardé la vidéo jusqu'au bout, le troisième tirage avec le Bélin nous parlait bien que ce serait en dehors, hein, du lieu de pouvoir actuel, et ça nous parlait de quelqu'un qui serait amené par la Providence, qui serait proche du peuple. Ça, c'était dans le tout dernier tirage de ma dernière vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Là, ça redit la même chose, quelqu'un qui sera proche du peuple. Alors, on va tout recouvrir. Alors... Ok, là on a bien quelqu'un, pour moi, hein, qui a été proche du pouvoir ou qui a été en position de second, hein, donc peut-être premier ministre, et qui a écrit des livres. On a l'univers des mots, qui a écrit des livres, voilà, des articles, amélioration, qui va peut-être aussi vouloir, ça peut être un futur hypothétique, écrire un livre pour remettre les choses à leur place, vous voyez, amélioration.
pour soit redorer son blason, soit... Alors, on va essayer de savoir. Ah, et là, on a un couple quand même qui est resté derrière, un peu, voilà, en second plan. Ah, alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir un homme, une femme, là, qui vont écrire un livre, qui vont vouloir dire leur vérité, peut-être. Alors, ah, ben, est-ce que ce serait... Ah oui, ça sera très positif. Alors, là, on peut y voir peut-être les époux Fillon, peut-être, parce que c'est vrai qu'ils ont été ennuyés à deux. Hein. Qui ça peut être sinon en couple, qui aurait pu être Premier ministre Alors, pour l'instant, je vois plutôt ça. Alors, on va rester là-dessus. Donc, ce n'est pas dit qu'on n'entende pas parler dans l'avenir de Monsieur Fillon, qui a quand même été Premier ministre. Et encore une fois, je reste neutre. Je dis ce qu'il en est. Pour ceux qui se rappellent de l'élection 2017, il était quand même le grand favori. Et entre les deux tours, je crois, enfin, pendant vraiment l'élection, il a eu des ennuis judiciaires et il a été mis de côté. C'est pour ça que je dis là, vous voyez, dans la vie, de toute façon, tout se sait un jour. Et je pense qu'il n'est pas impossible qu'il revienne en écrivant un livre, peut-être avec son épouse ou en parlant de ce qui leur est arrivé. Ok, ça c'est une chose. Ensuite, on a tristesse, mauvaise pensée. Là, c'est la déprime. Là, on déprime. Décrépitude, bon, en même temps, voilà, hein, on connaît l'état de notre pays, on connaît la difficulté des Français pour vivre, de plus en plus de pauvreté, les prix qui augmentent, bon, on va pas en reparler à chaque fois, on est bien là-dedans. Donc là, on a quand même bien le décor qui est planté, hein, quand même. Tiens, en parlant de décor, tiens, mon petit sablier. Alors, les pensées noires, sorties, ah, voilà, il y a quand même un désir de sortir, hein, du tunnel, hein, de ces pensées noires, on a une sortie qui se profile à l'horizon. Gardons espoir, de toute façon, il y a toujours une sortie, hein. Ça ne va pas durer comme ça des années, voilà, il ne faut pas tomber dans la déprime, là c'est ce qui est en train d'arriver, hein. Alors, dénuement, bah oui, parce que malheureusement beaucoup de personnes sont de plus en plus dans la pauvreté, mais on nous dit qu'on va en sortir de cette situation de dénuement, hein. Alors justement, c'est l'objet de ma question, grâce à qui va... Colère, ah oui, il y aura de la colère, bon ben ça c'est sûr. Colère sociale, conflits sociaux. Alors, on a la ruse. Il y a des choses qui se font peut-être en douce, hein, la ruse. Le changement. Ah, voilà. Vous voyez, on a quand même bien... c'est les cartes qui étaient tombées, là, pendant que je brassais les cartes. Un personnage qui veut donner un coup de pied dans la fourmilière. Hein. Donc, c'est sur la ligne des pensées noires, de la sortie du tunnel par rapport au dénuement, la pauvreté. Hein. Il y a la colère, la ruse et le changement. Donc, il y a bien des choses qui se préparent. Voilà, il y a bien des choses qui se préparent. Allez, j'en remets une sur le coup de pied dans la fourmilière et le bonheur. On va bien sortir de cette situation. Hein. Voilà, donc encore une fois, moi je ne suis pas là pour donner des faux espoirs, des fausses joies. J'essaye de rester le plus neutre possible. Et là, en lisant mes cartes, on va bien s'en sortir de tout ça grâce à des choses qui se préparent, peut-être derrière le rideau, j'en sais rien, mais qui vont aboutir à un grand changement, hein, la carte du changement. On donne un coup de pied dans la fourmilière et le bonheur qui revient. Hein. Ok, donc là, ben c'est bien en fait l'objet de la question, donc on va avoir la réponse maintenant. Alors, on nous disait un secret qui n'est pas encore dévoilé. Là, on nous disait mystère, hein, donc des choses qui sont peut-être sur le point d'être dévoilées aussi. Une femme, voilà, ok, une femme lumière. On a une femme qui va, une femme lumineuse qui va apporter, qui va dévoiler des choses, là tout simplement, qui va dévoiler des choses. Allez, je continue, c'est intéressant. Les forces du mal, elle a pu être attaquée. Où elle va dévoiler des choses par rapport à des forces du mal, tout ce qui est mauvais, négatif, par rapport à des ennemis, des adversaires, bon, voilà. Obscurité, matérialisme, ouais, elle va dévoiler des choses sur des choses qui ont eu trait à l'argent, hein, peut-être aux finances. Force du mal, matérialisme, elle va parler de ça, hein. L'eau à mériter, donc ça se mérite, hein, on nous dit que ce sera assez long, c'est laborieux. Vous voyez, là, on a un personnage qui porte une jarre remplie d'eau, hein, les gens qui sont obligés d'aller chercher de l'eau, hein, c'est lourd à porter, mais voilà, c'est l'eau à mériter. Donc, c'est un effort qui a fallu pour en arriver là, donc un dévoilement des choses par une femme au sujet de choses négatives qui vont remonter au niveau de l'argent, de l'économie, bon, et ça se mérite, on nous dit. Alors, déjà, on nous donne le rôle d'une femme, là. Ah bah encore une femme, la Vierge du Soleil. Ouais, là, on a typiquement, vous voyez, il y a quand même le rôle. Alors, après, on peut y voir la Vierge tout court, hein, si on met un point ici. On peut voir la Sainte Vierge, protectrice de la France, etc. Hein.
Moi, je pense que de toute façon, on a des aides occultes. Hein. Ce n'est pas possible autrement. Quand je dis occultes, c'est des aides spirituelles. Hein. Ah, vous voyez, voilà la protection. Voilà, je vais encore avoir des... Voilà. La Vierge, la protection. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça? Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. On est, vous voyez, on n'est pas tout seul. Hein. On est protégé. Hein. On est voilà, je ne peux pas dire mieux. On est protégé, on n'est pas tout seul. Voilà, pour ceux qui en doutent encore, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui n'ont jamais eu, voilà. On n'est pas seul, hein, voilà. Peu importe, on n'est pas seul. Ok, ensuite, le proche, quelqu'un proche du peuple, il est là, le guide. Bon, ben voilà, enfin vous répondez à ma question. Voilà. Allez, on va voir, le proche, quelqu'un de proche du peuple, le guide. Hein. Vous voyez, donc il est envoyé, il est protégé, et on a bien les cartes spirituelles. Hein. Ailleurs, ah, est-ce qu'il vient de l'étranger ? Ailleurs. Est-ce qu'il va partir à l'étranger? Il a vécu à l'étranger? Ou va venir de l'étranger? Ou il est à l'étranger? Allez, on continue. Bon, alors, on aura bien le rôle d'une femme. C'est pas impossible qu'il y ait un gouvernement, que Marine Le Pen joue un rôle. Moi, je l'ai toujours vu. Et puis ensuite, là, on passe à autre. Peut-être en lien avec elle au départ. Hein, mais après, on a quelque chose. Hein, là, on a quelqu'un plutôt. Un proche du peuple, un guide. Il y a un rapport avec l'étranger. Soit il sera à l'étranger, il sera parti, ou il en revient, ou... Ah, et il y a une femme importante. On a une femme importante et l'étranger. Donc, vous voyez, on aura quand même le rôle d'une femme. Hein. Pour l'instant, qui ne bouge pas? On a la paresse, la stagnation. Et cette femme, il y a quelque chose qui stagne. Le secret, ok. Ben pour l'instant, elle ne dit rien. Hein. Elle ne dit rien pour l'instant. Hein. Alors, est-ce qu'il viendra avec elle? Est-ce qu'elle viendra avec lui? Je ne sais pas. On a un guide et on a, c'est lié à une femme importante qui, pour l'instant, elle garde les choses pour elle. Ah ouais, elle garde les choses pour elle, mais elle n'en pense pas moins parce qu'on a les rugissements. Hein. Elle est en colère à l'intérieur. Hein. Secret, rugissement. Elle aimerait bien parler, mais comme si elle là, pour l'instant, elle était, vous voyez, elle se retient peut-être. Hein. Souvenir, ouais, par rapport à quelque chose en lien avec le passé. Ok, allez, encore une... Nouvelles, ouais, bon, on aura quand même des nouvelles. On va apprendre des choses liées au passé. Hein. Rappelez-vous, là, je vous ai fait une vidéo récente là, qui s'intitulait bientôt de la fin de la récré scoop 49.3. Là, je vous disais un jour, qu'est-ce qui mettra fin à tout ce système en ce moment que l'on vit. Et on, bon, ça parlait qu'il y aurait des révélations, hein, peut-être, concernant des précédentes élections. Hein. Voilà, j'en dis pas plus. Là, ça nous dit bien qu'on aura des nouvelles de ce qui s'est passé dans le passé, qu'une femme a gardé secret, qu'il a mis en colère, etc. etc. Hein, voilà. Donc, il y a cet homme-là qui interviendra par rapport à ça. Alors, peut-être ils en parleront ensemble. Hein, voilà. Donc, on nous a, sans brûler les étapes, en premier, il y aura le rôle de cette femme-là. Sans brûler les étapes, on a une protection. Et ce guide, il viendra, à mon avis, il parlera de ça, ou il sera accompagné d'elle. Au départ, ils vont se manifester ensemble, hein, moi, je pense. Il y a un lien. Allez, je vais en mettre une sur les nouvelles. Ah oui, ben voilà, des nouvelles. Et c'est ça qui ça va jouer sur la situation dont on a du mal à s'extraire. Hein. Ça fait partie des premières cartes qui étaient tombées. La boue collante, je vous ai dit, c'est une situation dont on a du mal à se défaire. Hein. Donc, c'est ça qui... Bon, ça rejoint. Alors, ok, ça rejoint la vidéo dont je vous parlais, là. Il y a ces révélations, ben, elles sont là, hein, qui vont déjà sortir dans un premier temps. Ok, concernant ce qui s'est passé dans les dernières élections. Et là, en plus, on nous ressortait comme par hasard, pour moi, là, le couple Fillon, comme par hasard. Hein. Et ça va leur faire du bien de sortir, là, vous voyez, amélioration. Ils vont un petit peu remettre les pendules à l'heure, peut-être dans un livre ou dans un écrit. On a déjà un bilan qui va être fait de ça. Et ce proche, ce guide-là, eh ben, pour nous, là, ça nous dit qu'il y a un lien avec l'étranger, il y a un lien avec... Donc, pour moi, Marine Le Pen, ils vont peut-être dévoiler des choses ensemble. C'est possible, hein, voilà, ce qui va nous aider à extraire de cette situation inextricable, là, hein, dont on a du mal à se sortir. Vous voyez? Et là, alors là, est-ce que c'est ça, un changement? Donc, coup de pied dans la fourmilière suite à la colère, là, le bonheur. Alors, est-ce qu'on peut savoir plus? Ah oui, la pesée, la justice. Justice, la pesée. Bon, ben, il y aura un juste retour des choses. Alors, justice, il y a quelque chose qui me vient, là. La gloire, ah oui, donc là, c'est quand même quelqu'un qui a eu un procès médiatisé ou quelque chose en justice, vous voyez, on a les balanciers, qui a été de notoriété, voilà, ça s'est su, hein. Une affaire que ça s'est su, alors qu'est-ce que c'est? Ah ouais, il y a eu des hypocrisies, ouais, ben, ça c'est sûr, hein. Quelqu'un qui a été, je dirais pas traîné dans la boue, mais qui a quand même... dû affronter certaines affres médiatiques concernant
des ennuis judiciaires. Ok, et là, on a tout le reste. Donc, déjà, premier pas, on nous dit ça. On nous dit ça. Il va venir, il va être question, à mon avis, avec Marine Le Pen de ce qui s'est passé. Vous voyez, il y aura déjà cette période de bilan. Cette période de bilan. Et après, moi, je veux savoir. Alors, ok, bon, déjà, le jeu, il nous dit dans l'ordre. Hein, il nous dit déjà chronologiquement ce qui va se passer. Et après, hein, on ne va pas se quitter comme ça, là. Allez, un petit tour de sablier. Alors, une fois cette première étape, là, on va dire, où on va pouvoir sortir de cette situation inextricable, voilà, que l'on vit actuellement. Alors, après ces révélations, on va dire, hein, qui sera ce proche et ce guide, qui sera cette personne proche du peuple et ce guide? Alors, hypocrisie, tristesse. Ouais, il a quand même, on voit dans la coupe, il ou elle, hein, bon, a quand même dû subir vraiment des personnes qui jouaient double jeu avec lui. Hein. Lui ou elle. Hein. Allez, qui sera ce proche, ce guide? Qui sera ce proche et ce guide? Alors, la patience, ben ça, on n'en manque pas. Hein. Les mauvaises pensées, on est là-dedans. La tristesse, on est là-dedans. Ah, ben l'alliance. Ah, ben encore. J'ai encore une alliance. Ben voilà, j'ai encore une alliance. Vous voyez, ça fait que confirmer. C'est pour ça que le jeu d'avant nous parlait d'un proche, d'un guide et d'une femme importante. Ce serait un groupe de personnes, selon moi. Hein. Voilà la réponse. Hein. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, l'alliance. Hein. Par rapport, pourquoi? Parce qu'il y a des graves préoccupations. Hein. Donc, ça rejoint mon jeu précédent. Alors, on nous dit patience. Allez, on va continuer un petit peu quand même. Isolement, quelqu'un isolé pour l'instant, solitude, hein. Hypocrisie, voilà, ils sont obligés pour l'instant de marcher sur des œufs, hein. Voilà, ok, d'être vraiment, de faire attention, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, de menteurs, de gens de double visage autour, donc ils sont obligés de rester en retrait, patience. Mauvaise pensée, tristesse, c'est le climat actuel, ça sert à rien de recouvrir, et là j'ai cette alliance, allez on y va, ah ben envoûtement, hein. Ouais, bon, bah disons qu'il y a des forces, on va dire, contraires qui jouent pour bloquer cette alliance. Alors, on va dire ça, cette future alliance, parce qu'on n'y est pas encore. Ah, l'anneau du savoir. Et en plus d'une alliance, j'ai un anneau. Non, là, ça parle de certains cercles, hein, de ésotériques qui partagent des connaissances. Donc, ça peut parler de certains milieux, voilà, on va dire de certains cercles ésotériques occultes, on va dire, qui bloquent un peu cette future alliance. Qui bloque. Paresse et stagnation qui font stagner les choses. Oui, c'est ça, c'est des travaux occultes pour bloquer, hein, c'est tout. Hein. Ça existe. Hein. Alors, rugissement, ouais, colère, pour mettre une chape de plomb sur cette colère, hein, pour bloquer toute cette colère. Hein, terre animée, ouais, du monde, un endroit où il y a du monde, où il y a beaucoup de travail, surcharge de travail. Donc là, on nous dit cette alliance, elle est bloquée par l'occulte, hein, on va dire, voilà, pour que ça soit bloqué, pour que cette colère, parce que c'est une colère qui anime beaucoup de monde, là, ça nous dit. Voilà, une colère qui anime beaucoup de monde. Allez, on va continuer. Les graves préoccupations, espions, ben voilà, alors là, on est dans ça, hein, surveillance, ben après l'identité numérique, je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans, là, je vois plutôt, non, de la surveillance, vraiment, dans. Vous voyez, là, on disait, il s'isole, patience, hypocrisie. Moi, je pense que même au sein du pouvoir du gouvernement, des politiques, ils doivent être tous, c'est une sacrée mauvaise ambiance. Enfin, quand je dis mauvaise ambiance, c'est vraiment des mauvaises ondes, des mauvaises énergies où tout le monde s'espionne, voilà. Poète. Alors, on a un beau parleur, quelqu'un qui aime bien s'exprimer, qui sait bien s'exprimer. Alors, il y a aussi quelqu'un qui est surveillé dans ce qu'il dit, hein, qui est surveillé de près. Hein. Toutes ces allocutions sont surveillées, hein, là. Hein. Espion, poète, hein. Forteresse. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de se protéger, qui veut protéger les autres et qui donc doit se protéger parce qu'il est surveillé de près. Le passé. Les biens matériels. Il y a des questions d'argent, d'amasser des biens, quelque chose qui dure depuis un certain temps. Allez, j'en mets encore une et qui a chuté. Ou qui va chuter, ou qu'on a fait chuter, des ambitions matérielles qu'on a fait chuter. Alors, ça, c'est des. Il a des gens autour de lui, des compagnons. Hein. Ah oui, il a perdu même des appuis qui étaient proches. Ou c'est des proches qui l'ont fait chuter, qui ont participé à sa chute. Bon, ok, là, on a quelqu'un qui parle bien. Bon, ok, qui est surveillé.
qui a besoin de se protéger, qui veut protéger les autres, mais qui a besoin de se protéger. Et on nous dit que dans le passé, par rapport à des biens matériels, le fait d'amasser des biens, ça l'a fait chuter. Et il y a eu, même eu séparation de certains proches qui étaient proches avant. Hein. Richesse d'esprit, quelqu'un d'intelligent, cultivé, qui a beaucoup de connaissances, hein, qui a persévérance, qui persévère. Ouais. Bon, alors, ok. Ok. Oui, j'ai ma petite idée, bien sûr, mais... Et pour l'instant, c'est un passage stérile, hein, voilà. Alors, on a quelqu'un, là, de persévérant, hein, qui... Voilà, qui va pas s'arrêter en si bon chemin, qui a de la suite dans les idées, qui est têtu, voilà. Ok, bon, bah ok. Alors, et en plus, j'avais vu dans une vidéo qu'il y était consacré, qui aurait peut-être une possibilité d'alliance avec le parti d'une femme, ouais. Donc, ça rejoint ce que j'avais dit. Donc, pour l'instant, il réfléchit, c'est un passage stérile, il réfléchit, il est en pleine réflexion, donc il imagine des choses, hein, on a l'imagination, il a des projets peut-être, mais ses projets pour l'instant sont bloqués. Bon, bah, j'ai compris. Ah ouais, procès, ok. Bon, ok, alors pour moi, voilà, il peut s'agir, alors je vous dis bien avec des guillemets, des parenthèses, il peut s'agir du capitaine, hein, il peut s'agir du capitaine Alexandre Juvin Brunet, certains le connaissent, certains le suivent, voilà, là pour moi c'est ça, parce qu'il a été bloqué dans le passé, il y a eu l'affaire du franc libre, il doit se protéger, voilà, on est là-dedans, hein. Il a chuté par quelqu'un à cause d'un proche, bon, il en a parlé de tout ça, hein. La richesse d'esprit, voilà, persévérance, et là on a quelque chose qui est bloqué donc, dans ses projets par rapport à l'aboutissement de ses ennuis juridiques qui pour moi finiront bien, mais j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, voilà, hein, j'avais déjà fait des tirages là-dessus et tout pour l'instant a concordé. Bon, c'est bloqué pour l'instant. Voilà, j'avais dit que ça, avant les vacances d'automne, voilà, il fallait attendre, on y est. Bon, voilà, c'est des vidéos que j'ai faites il y a plusieurs mois. Voilà, donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ah, bah alors si c'est ça, ah oui, d'accord. Ouais. Bon, bah alors, est-ce qu'il y aura une alliance avec le parti de Marine Le Pen? J'en sais rien. Je sais pas, c'est ce que les cartes nous disent. Alors, il y aura bien une alliance de plusieurs personnes. On a des pistes, hein, on a des pistes. On va entendre parler pour moi, il y a Monsieur Fillon qui va revenir, on va entendre parler de certaines choses, il y aura des bilans qui seront faits, il y aura des révélations, des éclaircissements par rapport à ces anciennes élections. On a Marine Le Pen, là, et on est protégé, on l'a vu aussi. On va avoir donc une alliance entre plusieurs personnes. Alors, il n'est pas impossible, je vous l'ai dit, qu'il y ait d'autres personnages, hein, je ne vais pas le redire, voilà. Et alors, ce fameux, voilà, capitaine qui peut être là aussi, tirer son épingle du jeu. Pour l'instant, voilà ce qu'on a pu dire, ce que j'ai pu voir. Pour clôturer ce passage au niveau de nos futurs dirigeants. Alors, comment vous dire, pour les personnes qui arrivent, parce que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, donc ça remonte à l'année dernière, hein. Avant qu'il ait tous ses ennuis, j'avais fait des vidéos à l'époque, même du franc libre. Bon, alors, il y a des messages qui m'étaient venus, je vais les redire pour les nouvelles personnes qui arrivent. On m'avait dit que c'est un grand homme qui ferait de grandes choses, qu'on lui a donné beaucoup d'acquis, sa tâche est grande. Ça, c'est des phrases qui m'ont été données telles quelles, hein. Et après, bon, il y a eu d'autres choses après plus personnelles et tout ça, mais ça ne regarde que lui. Et donc voilà, donc ça ne me surprend pas. Ce qui est sorti aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Ok, alors, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.